Bon, ben bonjour Philippe et merci d'être venu à Quimper pour ce 10e printemps de l'architecture en Finistère. Est-ce que tu peux déjà nous préciser qui est Philippe Madec? Alors je suis finistérien d'origine, je suis né à Brest d'une famille qui venait de l'Aberbenois, une famille d'ostréiculteurs de l'Aberbenois. Il n'y en a pas tant que ça, c'est on va dire de l'étiquette rouge, les études de Pradarcou. J'ai passé toute mon enfance à Carantec et j'ai fait toutes mes études à Saint-Paul-de-Léon comme un bon Carantécois. Aujourd'hui je suis architecte et urbaniste, je suis installé à Paris et aussi à Rennes et ma vie a fait que je vis à Bruxelles avec la femme que j'aime. Et tu travailles dans la France entière et même bien au-delà. Oui, c'est ça. En fait, mon atelier est engagé depuis le début, enfin grosso modo depuis le début des années 80, dans des enjeux qu'on appelle aujourd'hui de durabilité, que je préfère dire éco-responsabilité. Et on est amené à travailler effectivement sur l'ensemble du territoire français, et aussi outre-mer, et aussi à l'étranger. Donc dans des projets d'urbanisme, d'aménagement, d'architecture. Et quand les projets se font à l'étranger, c'est essentiellement des projets d'urbanisme. Que je fais de l'urbanisme et aussi de l'aménagement du territoire, d'un travail sur de très grandes dimensions. Et pour tout ce qui est architecture, c'est plutôt la France et ou la Belgique. Je suis aussi professeur en architecture et je suis professeur à l'école d'architecture de Rennes. Et à Rennes, je suis le président d'une association qui s'appelle la Team Solar Bretagne, et qui est une association qui rassemble une dizaine d'établissements universitaires et scolaires, IUT, lycée, école d'architecture, école d'ingénieur, école des beaux-arts et les compagnons du devoir, autour de questions qui touchent le territoire breton. L'idée, c'est d'inventer le territoire durable breton, de participer à l'émergence du bâtiment durable breton, qui se constitue aujourd'hui, hein, dont les prémices sont vraiment là et actives, et aussi, finalement, d'inventer une pédagogie différente, interdisciplinaire et inter-école. Et voilà, ça fait plus de 5 ans que cette association Team Solar Bretagne existe et elle a remporté de francs succès, notamment au Solar Decathlon China, où on était sur le podium. Voilà, notre équipe bretonne montrait aussi comment, au niveau international, elle était capable de faire comprendre des enjeux liés au développement durable. Donc on parle de la Bretagne dans le monde entier, mais surtout on parle d'architecture éco-responsable Oui. autour d'une idée qui aujourd'hui s'articule autour de la notion de frugalité heureuse, Oui. avec un manifeste qui est paru il y a un an environ. Alors qu'est-ce que c'est que ce manifeste pour la frugalité heureuse et créative? Alors avec deux amis qui sont vraiment des amis de longue date et qui avec qui je partage le même chemin, c'est Dominique Gosin-Müller qui est architecte et qui est surtout un des auteurs les plus prolixes sur l'architecture éco-responsable, et Alain Bonnarel qui est un urbaniste et surtout ingénieur. On a décidé qu'il était temps de faire quelque chose et de prendre position. C'est-à-dire que on ne pouvait plus se satisfaire des promesses qui n'étaient pas toujours tenues et qu'il fallait qu'on assume aussi notre responsabilité. Nous, en tant qu'aménageurs du territoire, architectes et urbanistes, nous portons un poids sur le dérèglement climatique, puisque 40% des émissions de gaz à effet de serre sont liées aux bâtiments et 20% sont liées aux déplacements. Donc moi, en tant qu'architecte et urbaniste, quelque part, les 60% d'émissions de gaz à effet de serre me concernent. Et puis on voyait aussi à quel point trop de technologies finissent par être fragiles, et que cette fragilité-là pose plus de soucis qu'elle ne résout d'autres problèmes, et qu'il y avait plein de façons de faire différemment. On va dire qu'il y a une espèce d'hégémonie de la construction en béton, alors que on est dans une époque où il y a tellement de possibilités d'utiliser des matériaux différents pour 1 000 questions posées. Donc on a voulu écrire ce manifeste. Alors la frugalité pour nous, c'est pas la sobriété, c'est pas la décroissance, c'est lié à ce qu'on appelle la frugalité au sens étymologique. Ça vient de frux fructis, le latin, qui veut dire les fruits. En fait, la frugalité, c'est la bonne récolte. Et c'est la bonne récolte des fruits de la terre, ce qui est notre enjeu, puisque nos travaux d'architecte, d'urbaniste et d'aménagement du territoire renvoient à l'établissement humain. Et pour faire cet établissement humain, on a besoin de ressources. Et donc, comment faire la bonne récolte de ces ressources nécessaires à l'établissement humain, sans blesser la terre et en nous rassasiant, c'est tout l'enjeu de ce manifeste. Faire une bonne récolte qui ne blesse pas la terre et qui rassasie les humains. Alors ça, c'est une ambition, mais qui est aussi une réalité. C'est-à-dire que, est-ce que en Bretagne, en France, on a déjà des réalisations qui montrent que tout ça est possible ici et maintenant?
Écoute, ce qu'on a découvert avec ce manifeste, c'est qu'il y a sur l'ensemble du territoire français des gens, des acteurs, souvent des solitaires, qui sont déjà engagés dans des pratiques low-tech, éco-responsables, frugales. Et la Bretagne est une terre qui s'est extrêmement manifestée de ce point de vue-là, parce qu'en fait, le manifeste manifeste l'existence d'un peuple de l'éco-responsabilité, et la terre bretonne est certainement celle qui proportionnellement a le plus c'est le plus engagé dans la question de la frugalité. Oui, il y a donc des réalisations disséminées par-ci par-là avec des gens engagés depuis longtemps. Pour ma part, les travaux que j'ai pu faire à Plourin-les-Morlaix il y a maintenant plus de 20 ans, et les travaux que je mène sur Passé, par exemple, en ce moment, ou Mini-Itréguier, sont tous des projets qui visent à utiliser moins d'énergie, à utiliser la ressource locale, les matériaux les plus proches, ceux qui sont à portée de main, de manière de répondre et d'apporter une qualité particulière. J'ai réalisé récemment, dans les Abers, donc tout près de chez moi, une maison qui est une réhabilitation d'un corps de ferme qui était en ruine. Et on a installé un logement sans chauffage, sans système de ventilation mécanique. Et tous les matériaux viennent soit des carrières voisines, soit du bois de la filière bretonne, qui est l'épicéa de Sitka. Et un approvisionnement qui vient de chez Tanguy à la Nice. Et tous les artisans sont aussi des artisans locaux. Et ce projet-là est un projet manifeste de ce que l'on peut faire aujourd'hui en Bretagne en étant le plus frugal possible. Donc c'est à la fois du low-tech, du circuit court, de l'économie circulaire. Exactement, en fait. Faire avec ce qui est disponible, ce qui du coup aussi fait culture, puisque utiliser la ressource locale, qui n'est jamais simplement matérielle, hein, tu le sais, quand il y a une matière localement, il y a toujours un homme ou une femme qui sait utiliser cette matière-là, et ce savoir-faire-là est absolument passionnant, et fabrique historiquement l'architecture ancienne. L'idée, c'est pas de refaire l'architecture d'hier, mais à partir des savoir-faire locaux, dans des conditions climatiques qui n'ont plus rien à voir avec celles d'avant, de trouver des réponses intelligentes, excuse-moi, mais enfin frugales, quoi, des réponses qui ne portent pas atteinte à la terre et qui font que les gens qui habitent dans ces maisons se sentent heureux. Compte tenu des enjeux du 20e siècle, 21e siècle, pardon, en termes de changement climatique, d'épuisement des ressources, de démographie, est-ce que ce qui se passe à l'échelle expérimentale ou sous forme de manifeste peut prendre une véritable dimension importante, se banaliser, être accessible à tout le monde? Écoute, déjà, ce que l'on voit au travers du manifeste, c'est qu'on a des signatures qui viennent de presque tous les pays du monde et de toute la France. Aujourd'hui, on est en phase d'atteindre les 6000 signatures. Tous les jours, il y a des signatures qui viennent, alors qu'on ne relance pas vraiment tout ça. Donc, il y a l'ambition de faire différemment. Tu ajoutes au fait que les professionnels, puisque c'est un manifeste pour les professionnels, je suis pas un gourou, quoi, je ne dis pas vous allez vivre comme ça, mais on peut construire différemment. Si on ajoute à ça la génération qui vient, la jeune génération, qui montre à quel point elle a compris des choses que les générations antérieures n'ont pas compris, il y a quelque chose qui est en train de se produire. Il y a un mouvement qui est en train d'agir. Alors, est-ce que tout va basculer d'un coup? Non, certainement pas. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment, on va dire, des communautés sont capables de fabriquer des projets de vie très différents et dans des plus petites échelles, finalement, de réussir à faire ce qu'on attend depuis longtemps. Je cite souvent trois communes françaises qui sont très engagées, Ingersheim en Alsace, Los Anguels dans le Nord et évidemment Langouette en Bretagne. Ces communes montrent finalement comment, à partir d'une ambition réelle et d'un engagement et d'action simple, il est possible de changer la manière de vivre des gens, avec les gens, jamais en contrainte, mais au contraire, porté par les gens. Et donc je crois que ce travail un peu en tache d'huile, ce travail pixelisé sur le territoire, aura sans doute plus d'impact au bout du compte que le fait que d'en haut, on nous dise maintenant vous allez agir comme ça. Et en fait, cet appel par le manifeste, cet appel aux singularités des gens déjà engagés, s'inscrit dans cette idée qu'il y a certainement des possibilités localement, dans des plus petites dimensions, de déclencher quelque chose qui peut, après, s'étendre. Dans le monde tourmenté dans lequel on a un peu l'impression de vivre aujourd'hui, c'est un message d'encouragement, c'est un message d'espoir, c'est un message d'avenir? Écoute, c'est certainement un message d'avenir. Je suis fondamentalement optimiste. Hein. Je suis professeur, donc je sais que chacun de mes mots, s'il est compris par mes étudiants, ce mot-là est parti pour 40 ans, 50 ans, 60 ans.
quand je construis un bâtiment, je sais que ce que je dessine, qui prend 5 ans pour être construit, est parti pour 50, 100 ans. Voilà. Quand je dessine une ville, c'est parti pour plusieurs siècles. Donc je ne ferais pas le métier que je fais aujourd'hui si je n'avais pas confiance, et j'ai toujours eu confiance, et aujourd'hui les choses sont là et le monde, j'ai toujours eu confiance à l'arrivée d'une génération consciente, et je pense que celle qu'on a aujourd'hui est incroyablement consciente. Et qu'elle elle va réussir ça. Le plus important pour nous, c'est de ne pas la désespérer. D'ailleurs, je pense qu'on ne réussirait plus à désespérer, tellement elle est engagée. Oui, les choses vont changer. Il ne faut pas croire que l'on va arriver au 18e ou au début 19e comme ça. Il y a un fardage. Hein. On est dans un pays de la mer, on sait ce que c'est qu'un bateau très lourd. Tu ne l'arrêtes pas comme ça. Hein. Il faut que tu arrêtes les moteurs longtemps avant d'arriver au port. Il y a un fardage, un double fardage, qui est le fardage humain. On ne va pas changer les habitudes de tout le monde du jour au lendemain. Il y a un fardage physique qui est le fardage de la Terre. Tu ne vas pas changer d'un seul coup le dérèglement en cours. Donc, il va y avoir un siècle compliqué, un siècle complexe. Il faut le préparer. Il faut se donner les moyens de le passer. Et de telle façon que, voilà, la suite soit possible et que nos petits-enfants et nos enfants, finalement, voient la fin du dérèglement. Parce que l'enjeu, c'est d'abord la fin du dérèglement. Ben, je crois que c'est un beau mot pour terminer, en tout cas cette petite interview, puis passer à la conférence qu'on va avoir maintenant, que tu vas donner à Quimper devant un amphithéâtre qui j'espère sera plein, et avec plein de gens qui porteront le message, qui relayeront ce message. Je te remercie beaucoup d'avoir fait en sorte que je sois là en tout cas, et d'être aussi actif pour la frugalité heureuse. Merci Philippe. Merci beaucoup.